C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien, elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. C'est bon? Oui. Vous savez, en fait, oh, alors, ça y est ou pas? Willy, dis quelque chose. Maya! Pourquoi tu sautilles comme ça? Pour bien transporter le goût dans tous les coins de ma bouche. Willy travaille, Maya, alors ne le distrais pas, s'il te plaît. Toi, tu travailles? T'y crois pas, hein? Je suis goûteur de pollen professionnel. Les ouvrières veulent offrir à la reine un cadeau exceptionnel. Willy a goûté tout le stock de la ruche, mais il n'a pas trouvé de pollen assez rare pour la reine. Alors maintenant, il goûte tous les pollens de la prairie. Maya, il faut que tu m'aides. Pour moi, tous les pollens ont le même goût. C'est sûrement parce que j'en ai trop goûté. Apporte-moi un pollen qui a un goût vraiment différent, d'accord? S'il te plaît. Je vais essayer. T'arrives, Maya, t'as l'air vraiment malade. Je goûte du pollen pour Willy, mais la dernière fleur que j'ai goûtée, une jolie fleur de muguet, avait un goût vraiment très bizarre. Là, je ne me sens pas très bien. Hé, hey, où tu vas, Shelby? Tiens, essaye, ça marche à tous les coups. T'en croques un petit bout et tu vas te sentir mieux tout de suite. Un champignon? Je sais pas trop. Les abeilles ne mangent pas de champignons. Oh, c'est pas juste. Pourquoi personne me croit jamais? Ça va, d'accord, Shelby. Je veux bien te croire. Les abeilles ne mangent pas de champignons. Elle avait raison et j'avais tort, comme toujours. Un champignon? Mais t'es dingo ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de lui faire manger ça, Shelby? Je sais ce qu'il lui faut. Reste ici et surveille ma boule de bouse, je reviens. Oh, du crottin chaud. Voilà ce qu'il lui faut pour calmer sa toux. Je devrais le mélanger à du pollen. Comme ça, Maya ne saura pas que c'est un médicament. Oh, merci, mon pote. Il faut chercher plus loin. Je vais prévenir toutes les butineuses. Oh, mais où est Maya, au fait? J'espère qu'elle a trouvé quelque chose. Maya, Maya! Maya est un peu occupée pour l'instant. Elle m'a envoyé ça. Waouh! J'ai de la chance. Maya me laisse jamais tomber, j'en étais sûre. En voilà d'autres, Willy. Bon, ben, moi, je crois que je vais y aller. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que j'appelle un pollen extra spécial. Du pollen fait pour une reine. Ah, il était temps. On peut arrêter de chercher. Beau travail, Willy. Oh.
Ce champignon m'a fait du bien en fait, Shelby. Mais c'était si mauvais que je suis contente de remanger du pollen. N'importe quoi, Maya. Champignon, mon œil, c'est le crottin qui t'a fait du bien. Personne me croit quand je dis que c'est bon. Hey, attends une minute, c'est moi que personne ne croit jamais. Ben, de quel crottin tu parles? J'ai mélangé ton pollen avec du crottin bien frais. Ah, quoi? Tu m'as fait manger du crottin? Oh. Mais, hein? Oh, ça avait un goût normal de pollen? Oh, y a pas du tout de bouse dans ce pollen. J'ai dû me tromper de peau quand je suis allée voir Willy. T'as vu Willy? Venez, il faut le prévenir. Reste ici, Shelby. Quelqu'un doit surveiller ma boule de bouse. Elle est trop jeune pour rester toute seule. Oh, bien sûr, là, on a besoin de moi pour faire la nounou pour une boule de bouse ridicule. Il n'y a plus personne. Willy, est-ce que ça va? Maya, c'est toi. Oh, merci pour le pollen. Ben ne voulait pas me le donner, mais j'ai été plus rapide que toi. Et la reine ne devrait pas tarder à le déguster. Oh non, il y a du crottin dedans. Ce pollen n'est pas bon. Dis donc, tu peux pas dire ça. J'ai utilisé du crottin frais de très grande qualité. Oh non. J'ai mangé tellement de pollen que j'ai pas goûté le tien. À cause de moi, la reine va manger du crottin. Le goûteur de pollen nage en plein cauchemar. Je suis désolée, Willy. C'est aussi un peu de ma faute. Je viens de saboter le premier travail qui te plaisait. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Allons vite prévenir la reine. Il paraît que c'est le meilleur pollen de toute la prairie. Il a fallu toute une journée de travail pour le trouver. J'aimerais bien être à la place de la reine pour y goûter, moi, en tout cas. Je sers d'abeille. Regardez un peu où vous volez. Je veux être certain qu'il n'arrive rien de fâcheux à ce pollen. Mes respects à sa majesté. Oh, intéressant. On ne peut pas dire que ce soit un pollen classique. Mais c'est très fort en bouche. Je suis le pire goûteur de pollen du monde. Oh, arrête, Willy. Nous devons vite retrouver ce pot. Il ne faut pas que la reine ait le temps d'y goûter. Un pot pour la reine? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? Quoi qu'il en soit, c'est trop tard. C'était délicieux. Vite! Stop! Oh là, non! Le pollen n'est pas bon. Il faut vite empêcher la reine de le manger. Pas bon? Pourquoi? Il n'y a pas que du pollen dedans. Il y a aussi du crottin. Du crottin? Il a goûté. Mais c'était du crottin frais, de grande qualité. Bon, bah je ferai mieux d'aller surveiller ma boule de bouse, hein. Elle est très jeune et... Hors de ma vue! Au revoir! La reine n'est pas disponible pour l'instant. Elle reçoit une délégation d'abeilles ouvrières en ce moment. D'accord, peut-être une autre fois. Allez, faut qu'on parte, Maya. Non, il faut qu'on entre. C'est une urgence. Ça suffit. Halte! Juste sûr d'abeilles. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Les abeilles souffrant de maladies infectieuses ne sont pas admises auprès de la reine. Ce n'est pas une infection. Je suis dégoûté du crottin. Je veux dire, j'ai goûté du crottin. Je dois aller parler à la reine immédiatement. Je n'aimerais pas être à votre place, assurément, si la reine tombe aussi malade que je le suis. La reine, tout est ma faute. C'est aussi ma faute, Willy. Mais il faut empêcher le juge d'en parler à la reine. Allez, viens. Willy!
votre gelée royale est vraiment dégoûtante. Succulente, votre majesté. Oh, les voilà. Mais vous n'êtes pas toute verte. Non, Willy. Et si j'ai bien compris ce que le juge Sire d'Abeille m'a expliqué, c'est seulement parce que je ne suis pas une fine bouse. Une fine bouche, bien sûr. Vous voulez dire que vous n'avez pas goûté le... pollen spécial? Non, je ne l'ai pas goûté. Une reine doit avant tout penser à ses sujets, tu sais. Alors, j'ai décidé de faire mélanger le pollen spécial à toute notre réserve pour que chaque abeille de la ruche puisse en profiter. Oh, comment aurais-je pu deviner qu'il était contaminé par du crottin? Oh, Willy, viens avec moi. Parfait. Tu travailles encore, Willy? Qui aurait cru que tu deviennes un tel bourreau de travail? Mademoiselle Cassandre, parfois l'assiduité au travail ne suffit pas. Et dans le cas de Willy, je crois qu'il vaut mieux pour nous tous qu'il continue de faire ce qu'il fait le mieux. Ne rien faire. La reine a raison, Willy. Je crois que tu n'es pas fait pour le travail. Mais je travaille, Maya. Je fais exactement ce que la reine m'a demandé de faire. Je ne fais rien. Thank you.